Alors, dans cette vidéo, on va étudier deux lois en chimie, la loi des proportions multiples et la loi des proportions définies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite par, par lire les lois en elles-mêmes, et puis après, on passera un petit exercice d'application pour mieux comprendre concrètement de quoi il s'agit. Donc, premièrement, la loi des proportions multiples, elle s'énonce de cette manière. Étant donné un composé chimique constitué de deux éléments A et B, par exemple, l'oxygène et l'azote, R est le rapport M sur A par M sur B, des masses A et B mesurées pour une certaine quantité de ce composé. Considérons deux composés chimiques différents de A et B avec les rapports respectifs R1 et R2. La loi des proportions multiples s'énonce, donc là c'est la loi en elle-même, le rapport R1 sur R2 est égal au rapport de deux nombres entiers petits. Ça c'est très important, deux nombres entiers petits. On va voir dans notre exercice que c'est ça vraiment qui compte. Ensuite la loi des proportions définies, elle, elle s'énonce de cette manière. Lorsque deux ou plusieurs corps simples s'unissent pour former un composé défini, leur combinaison s'effectue toujours selon un même rapport pondéral. Et là, c'est plutôt ça qui est important dans cette loi. Donc là, c'est vrai que ces deux lois énoncées comme ça, c'est un petit peu abstrait, c'est un petit peu, euh, c'est pas très très clair, forcément. Donc on va s'entraîner sur un petit exercice pour voir un petit peu mieux euh, ce dont il s'agit. Donc on va juste descendre pour se laisser un petit peu plus de place. Alors non, pas trop. Voilà. Donc l'exercice, on va lire l'énoncé. Un échantillon d'un composé A, un gaz transparent et incolore, est analysé et l'on trouve qu'il contient 4,27 g de carbone et 5,69 g d'oxygène. Un échantillon d'un composé B, également transparent et incolore, est analysé et l'on trouve qu'il contient 5,19 g de carbone et 13,84 g d'oxygène. Ces données sont-elles un exemple de la loi des proportions multiples La première qu'on a énoncée ou des proportions définies. Alors, comment faire pour justement, pour, pour voir si c'est un exemple de l'un ou de l'autre? Bien, la première chose à faire, c'est de faire un rapport entre les deux composés qui nous sont donnés. Donc, le composé A, de quoi est-ce qu'il est composé justement? Et bien, il est composé de 5,69 g d'oxygène, 5,969 grammes d'oxygène sur 4,27 g de carbone, alors, en faisant le rapport de ces deux quantités, ça fait, à la calculatrice, 5,69 divisé par 4,27. Ça nous donne 1,33. Donc, pour chaque carbone, il y a 1,33 oxygène. Voyons voir maintenant le deuxième, de quoi il est composé. Donc, le deuxième, le composé B, il contient 13,84 grammes d'oxygène pour 5,19 g de carbone. Et ça, avec la calculatrice, ça nous donne 13,84 divisé par 5,19, ça nous donne 2,66. Donc pour chaque carbone, il y a 2,66 oxygène. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait de ces résultats Eh bien, on va comparer ces deux résultats entre eux, et l'on observe que du composé A au composé B, c'est un rapport de deux fois. Il y a deux fois plus. Le rapport est deux fois plus grand dans le composé B que dans le composé A. Donc il y a deux fois plus d'oxygène par carbone dans le composé B que dans le composé A. Et donc lorsque l'on compare les deux composés, le composé A et le composé B, on peut voir qu'il y a un rapport de 1,5 entre le composé A et le composé B. Vous voyez, le 1 ça désigne le composé A, et le 2 ça désigne le composé B. Et vous voyez maintenant si on relie la loi des proportions multiples, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que le rapport r1 sur r2 est égal au rapport de deux nombres entiers petits. Et on voit bien effectivement ici que l'on a deux nombres entiers, 1 et 2, et que ça fait bien un rapport entre r1 et r2, les deux composés. Pour vraiment être sûr, on peut voir par rapport à la, à la loi des proportions définies, on va voir que ça ne marche pas, puisque dans la loi des proportions définies, on nous dit qu'on doit avoir un même rapport pondéral, alors que dans notre exemple, on n'a pas le même rapport pondéral, on n'a pas le même nombre d'oxygène par carbone dans les composés A et dans le composé B. Donc pour répondre à l'exercice, ce rapport entre A et B, c'est un exemple des proportions multiples, de la loi des proportions multiples. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.